Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve en pleine campagne. Alors, je me suis arrêté là parce que j'ai trouvé quelques superbes beaux pieds de consoude, hein. À chaque fois, j'hésite sur ce nom. Alors, regardez ces plantes-là. Pour ceux qui veulent bien nourrir leurs tomates en apportant le maximum d'engrais dit potasse qui donne du goût à ces tomates, on met de la consoude. Alors, je vous conseille ces belles feuilles. Voilà, mais essayez de laisser les fleurs, ça donnera des graines. Donc la consoude, c'est vraiment une nourriture. Alors vous laissez macérer ça pendant environ 15 jours à 3 semaines et vous arrosez vos plantes. Hein. Vous faites un peu comme le purin d'ortie, exactement la même chose. Et vous apporterez une nourriture abondante pour vos pieds de tomates. Hein. Voilà, c'est super. Alors, vous pouvez mélanger bien sûr les deux avec un petit peu d'ortie broyée. Alors, je vous rappelle, vous arrachez les feuilles. Voilà, délicatement pour pas trop blesser la plante. Vous laissez quelques feuilles pour dire que la plante s'oxygène et vous verrez, c'est extrêmement bon, hein. Voilà, donc je vous dis, la consoude, c'est super bon. Voilà, à bientôt, les amis.